J'cale pétard entre mes dents. Bah ouais. J'sors la bécane. Yami, la révélation de l'année sur la scène française, il se hisse au top Spotify avec son titre Bécane, repris chez Ecolo qui a fait un grand succès sur TikTok avec plus de 50 millions de vues. Zoom sur une carrière artistique unique. Yamé, franco-camerounais, est un jeune artiste qui vient d'exploser en France. Il se lance solo dans la musique en 2020 en jonglant entre la musique et son travail. Plus tard, il quitta son travail pour se concentrer à 100% dans la musique. En octobre dernier, il dévoile un projet signé Eloi qui vient d'atteindre la barre de 20 000 streams sur Boomplay. En collaboration avec Ecolo, le titre Bécane sera la vedette du projet et va se faire découvrir ainsi que lui l'interprète. Avec 9 millions de vues sur YouTube, ce titre prendra le top au monde sur Spotify et lui montera vite à plus de 2 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Avec d'autres titres inclus dans le projet, à 30 ans, il devient la star de la scène française avec son style particulier. Avec son style particulier, Yamé, il a réussi à conquérir beaucoup de cœur dans le rap français, beaucoup d'attention et aujourd'hui, il réclame beaucoup de personnes qui sont en train de le suivre. Et là, c'est de ouf pour lui parce que Yamé, c'est la révélation de la France carrément cette année, puisque avec son titre Bécane qui est toujours en train de tourner sur YouTube et sur TikTok notamment, et qui dépasse déjà la barre de plus de 10 000 de plus de 35 000 vidéos déjà faites avec ce son. C'est incroyable les gars, incroyable. Et peut-être que Yami reviendra plus fort avec un projet bien entamé avec lequel il pourra prendre autant de cœur et faire tellement de place, et peut-être un Bercy ou un Olympia en France et s'installer en tant que l'un des rappeurs à suivre dans le rap français. Alors si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos pareilles, parce qu'on en fera déjà toujours de ce genre et des rappeurs à découvrir. Alors n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ciao.